L'ambassadeur de Chine au Japon, Wu Jianhao, déclare que la coopération du Japon avec les États-Unis sur les restrictions à l'exportation de puces conduirait à la perte de l'avenir de l'industrie japonaise des puces. Il a déclaré aux journalistes que le découplage et la rupture de la chaîne d'approvisionnement ne devaient pas se produire. Plus tôt ce mois-ci, le ministère chinois des Affaires étrangères avait invité le Japon à faire preuve de prudence dans le renforcement des contrôles des exportations d'équipements de fabrication de semi-conducteurs et à éviter de créer de nouveaux facteurs complexes pour les relations bilatérales. Cette demande faisait suite à l'annonce par le Japon d'un renforcement des contrôles à l'exportation des équipements de fabrication de semi-conducteurs à haute performance. Nombreux sont ceux qui pensent que cette mesure vise à restreindre la coopération entre la Chine et le Japon dans le secteur des semi-conducteurs.